Bon, 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 bon. Tac. Ça va être le sujet de cette vidéo. La Nintendo Switch. Alors la Nintendo Switch c'est quoi? C'est la prochaine console de Nintendo. Nintendo a organisé un événement à Paris, plus précisément au Grand Palais. J'ai eu la chance, l'énorme chance, mesdames et messieurs, l'énorme chance où j'ai essayé en avant-première la Nintendo Switch. Bon déjà on va parler de la console en elle-même. La console, elle est vraiment... Elle est bien, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc alors j'ai pu tester le jeu One to Switch, c'est un petit peu comme le Wii Play de la Wii. C'est un jeu avec plein de mini-jeux regroupés qui démontre bien les capacités de la Nintendo Switch. Et puis les vibrations HD, mais alors ça, c'est juste magnifique. Il y avait un jeu... où on avait la Joy-Con dans la main, bon, ça c'est Wii Mode, mais on fait avec ce qu'on peut, ok? Il y avait un mini-jeu sur One to Switch qui se basait uniquement sur les vibrations HD. On a la Joy-Con dans la main, et ça faisait comme si on avait une boîte avec des billes dedans. On bougeait la Joy-Con comme ça, et avec les vibrations HD, on devait trouver combien de billes il y avait dans la boîte. Et c'était... waouh quoi, les vibrations HD ça rend super bien, on a vraiment l'impression d'avoir une boîte avec des billes dedans et qu'il faut secouer pour compter combien il y a de billes, et ça c'était juste magnifique. Après on a fait un jeu de tir de cow-boy où il fallait tirer sur son adversaire le plus vite possible, et ça c'était vraiment super bien parce que c'est fluide et c'est précis, c'est pas comme la Wiimote où t'étais comme ça. Non, là c'est vraiment super précis et c'est génial, j'adore. Après il y avait un jeu, c'était le malaise total, mais on l'a fait. Il fallait recopier une pose que faisait l'autre. Par exemple moi je fais une pose, et l'autre en face doit faire la même pose. 1, 2, 3, 4, posez. Imitez. On va passer au nouveau jeu qui s'appelle Arms. Alors Arms c'est quoi? C'est un jeu de boxe, un petit peu comme le jeu de boxe sur Wii Sport, mais en beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus fun déjà parce que chaque Joy-Con c'est un point. Et on pouvait personnaliser notre point. Donc par exemple on avait le point de gauche. Le point de gauche c'est un point classique par exemple, et le point de droite ça va être un point explosif. Ça rendait le jeu fun et je trouvais ça vraiment, vraiment sympa comme jeu. Le jeu Arms, voilà, ça a l'air plutôt rigolo. Après The Legend of Zelda Breath of the Wild, le jeu qu'on attend depuis des années. Malheureusement il y avait 2 heures de queue donc j'ai pas pu le tester. Oh, c'est triste. Mais bon après tout la console et le jeu sortent le 3 mars. Donc autant dire que c'est dans 49 jours si je compte bien. Donc voilà, je me dis que je peux attendre 49 jours. De ce que j'ai vu sur les écrans, le jeu était beau, était fluide. Alors pour Mario Kart 8 Deluxe, c'est le même Mario Kart qu'on a connu sur Wii U. Malheureusement, ça c'est vraiment le gros défaut. Bon, il y a des petits ajouts. Normalement, Nintendo, chaque console et chaque Mario Kart, il y a toujours une innovation. Mario Kart 7, c'est le Delta Plane. Mario Kart 8, c'est conduire sur les murs et le plafond. Un Mario Kart sur une nouvelle console avec aucune grosse innovation. Là, franchement, je suis vraiment déçu.
Mais par contre, ils vont rajouter des nouveaux circuits, des nouveaux personnages. Ils vont enfin remettre les batailles de ballon dans les arènes. Et pourquoi pas, ils ont rajouté un mode débutant. Donc du coup, on peut pas tomber, il y a un mur invisible. Et c'est plutôt pratique pour les débutants. Mais en soi, je suis vraiment déçu parce qu'il y a vraiment aucune grosse nouveauté. Il y a que des rajouts de Mario Kart 8. Donc pour moi, Mario Kart 8 Deluxe, c'est un gros DLC de Mario Kart 8. Bon alors Splatoon 2, je l'ai essayé, c'est vraiment génial, super fluide, super beau. Encore plus que le premier. Après ça reste du Splatoon hein. Ils vont juste rajouter des nouvelles armes, des nouvelles maps, la possibilité de coiffer son Inkling. Pourquoi pas, c'est cool, mais vraiment c'est tout ce qu'on a pu voir. On n'en sait pas plus pour l'instant. Donc il faut attendre de prochaines bandes annonces. Mais en tout cas ce Splatoon 2 s'annonce vraiment bien. Surtout qu'on peut enfin jouer avec le Wii U Pro de la Switch, parce que celui-là n'a pas de gyroscopie alors que sur Switch il en a. Donc du coup on peut jouer comme ça avec une manette pro et c'est vraiment génial. En tout cas c'est vraiment tout ce qu'on a pu tester. J'ai vraiment adoré la Nintendo Switch. Elle est vraiment petite et elle est super puissante, ça c'est génial. Elle est transportable partout, donc ça je dis oui. La vibration HD c'est génial. En tout cas cette console a l'air révolutionnaire. J'ai très hâte d'être le 3 mars pour pouvoir la tester. Moi en attendant je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Kazeperi, allez